Bonjour tout le monde, c'est le gamer pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau, pas pour le plus du gamer, hein, je pense que vous l'attendiez, mais c'est pas ça. C'est une vidéo informative parce que on a créé une communauté qui s'appelle les 5-7. Vous êtes au courant sur GTA 5, sur Payday, etc. Et même CSGO. Et on a ouvert notre TeamSpeak, donc ouvert à tous, donc tout le monde peut les rejoindre, notamment mes abonnés, donc vous ou viewers. Du coup on a 50 slots, avant on avait 10 slots donc vous pouvez pas vous inviter. Du coup là vu qu'on a ouvert publiquement le TeamSpeak, on a 50 slots etc. Il y aura Mathieu, Kanti, Clem Duke que vous connaissez. Il y aura leur communauté à eux et il y aura aussi vous, donc je vous fais ma vidéo personnelle quand il en a fini aussi pour sa communauté. Moi j'en fais une pour vous quoi, ma communauté en quelque sorte. Du coup vous pouvez rejoindre l'OTS, vous pouvez ramener vos amis, vos potos, votre famille, tout le monde, votre chien etc. Il n'y a pas de soucis à ce niveau là, il y a la place. Il y a les places et du coup l'IP du TeamSpeak est dans la description. Donc voilà, je vous montre un petit aperçu, voilà que vous voyez à l'écran actuellement. Du coup là vous avez les bureaux, donc les espaces compétition dont il faudra un grade pour y accéder. Donc n'hésitez pas à demander à un admin si vous êtes en quête sur un des jeux, comme ça vous pouvez accéder à ces channels ne pas déranger. Comme ça vous êtes tranquille au calme avec votre team. Pareil, l'espace welcome, l'espace stream record, donc il y a mes espaces à moi. Et aux autres aussi. Et du coup, si vous voulez me parler, c'est là qu'il faut y aller. Espace abonné, vous voyez ici là. Espace abonné, c'est là qu'il faudra y aller. Comme ça, je sais que vous voulez me parler, on ira pas tranquille, parler, causer, rigoler, tout ça quoi. Il y a l'espace jeu, bien évidemment. Il y a aussi deux salons publics hein, pour streamer si vous voulez. Les espaces de jeu, donc Daisy, Counter Strike, tout ça. Je pense que je vous laisserai voir par vous-même. L'espace robot, bien évidemment. À savoir que le TS, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait il y a deux jours, donc avant-hier, oui, il y a avant-hier. Du coup, il y a encore des bugs, c'est pas tout à fait fini. Du coup, si vous avez si vous voyez des bugs ou des trucs chelous sur le TS, n'hésitez pas à me le faire remarquer par message. Je vais corriger tout ça. Et puis voilà. Donc voilà, ça me fait plaisir parce que je voulais ouvrir un TeamSpeak pour qu'on puisse tous parler. Et puis quand il avait les moyens, du coup, c'est cool. Tous ensemble sur le même TeamSpeak, ça fait plaisir. Donc je compte sur vous pour venir nombreux. Et aussi dernière chose les amis, on a aussi un groupe Steam, pardon, donc groupe je l'avais là ici. Groupe 5-7 Community. Voilà. Donc 5-7 Community c'est un groupe Steam. Donc au lieu de m'ajouter sur Steam, vous pouvez m'ajouter ici. Enfin nous ajouter ici, comme ça vous pouvez voir quand la team, c'est-à-dire moi, Mathieu, etc. sont dans un jeu. Donc là vous voyez, un dans un jeu, un en ligne. Donc là en ligne c'est moi vu que je joue à rien. 15 membres. Vous pouvez poster des trucs et puis en plus si vous avez oublié l'IP est encore rappelé ici, on fera quelques petits topics etc. Dernier truc c'est qu'on va ajouter des règles sur TeamSpeak, donc ce sera pas le règlement genre un truc comme ça quoi, mais ce sera un règlement simple genre du style rester respectueux, merci de ne pas spam, merci de ne pas rentrer dans le channel, ne pas déranger si vous n'êtes pas autorisé à aller etc quoi, des trucs comme ça. Donc ça prend 5 secondes, n'hésitez pas à aller voir le règlement du TeamSpeak parce que ça vous évitera de vous faire kick ou ban et voilà quoi. Non, ça va faire 5-10 secondes, prenez le temps, mettez-vous au calme, lisez les règlements, et puis après, détendez-vous tout simplement. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous dire ça. Ah oui, dernier truc, je le sens déjà dans les commentaires. Le skin Minecraft, hein, qu'on soit d'accord. Je l'ai pris parce que, pas forcément parce que j'aime Minecraft, donc Minecraft est un bon jeu quand même, mais... Je trouvais pas d'autres déjà dans les skins du TeamSpeak, il y en a 30, sur les 30 il y en a juste 5 qui marchent. Et moi je trouve que les couleurs sont bien, j'aime bien le bleu, le vert, tout ça. Je trouve que c'est un peu apaisant par rapport aux skins blancs de base. Donc voilà. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Donc venez nombreux et on vous attend. Et si vous avez un problème, n'hésitez pas à voir les admins, ils seront là pour vous aider. Allez, à plus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bientôt, je vous rappelle, je sais pas si vous me suivez sur Facebook, mais il y a un gros projet qui arrive. Restez au courant. À plus.